Pour commencer, nous abordons l'événement par le chant des cantiques, numéroté 132, avec les thèmes « Désormais, nous ne faisons qu'un », basé sur Genèse chapitre 2, le verset 23 et 24. Nous demandons à la technique de nous balancer ces cantiques et nous allons chanter avec joie, ensemble avec les mariés. Souhaitons une chaleureuse bienvenue pour écouter ces quelques conseils prévus à l'adresse des nouveaux mariés. Nous voulons parler de frère Albert Simetti qui se mariait à sœur Marianne Bouilly et tout s'était bien passé parce qu'ils se sont mariés à l'état civil, devant l'autorité de l'état civil et tout s'est bien passé. Nous vous l'annonçons. Ces conseils, c'est vrai, c'est pour eux, mais ça peut être utile à nous aussi, on ne sait jamais. Et tenez-nous bien.
salue mon femme, Céline. Conseil, nous avons fait ça.
Bon conseil, il y a un peu de bokilo dans le pas à l'autre. Conseil, il y a un peu de bokilo dans le pas à l'autre. Azana Kimia, Azali Moisha Moanangaï. Soki Nazali Kochaï na place pour Nabike, Lelo Lobby, Soki Nazangi, Yende Mutakozala Penangaï. Yamana was a messer, Makati Gaza, la Moisha Moya Kimia, Yabo to Poke, Asimbangaï Penzatil, Wanangaï. Bon, monsieur, tu vas voter à Banabon. Na tangi kutubana te Jova le bike bo bota boton de samokili ngai pe na debite ke abotela ngai sa mais oy Jova ko pesa bangwe ko zalaka ne sengwe pa ina ngai sombo na ma bibi kaza mama ya frère Albert oya akoto ya osepela banda lini makambo a fete to sepeli makasi po mwana bali après la même biso munini probleme te to sepende ndenga bali ya moto ye awa to lia to sepela. Et ceux qui ont la tête dans la salle, tous ceux qui ont des gunaka, tous ceux qui ne sont pas, n'importe quel macage pour moi, n'anga yo kutinga sonité, abimi na voix normale. Voilà. Moi na biso ya mi balé na libota na biso. Conseil ni okopé sa bango kasi baso balan. Conseil na zo pesa bango bazala bien, basa la foyer na bango eke nde liboso. Balanda modèle o ya biso ba parents na bango nde to bokoli bango. Bango pe basa la o ya bango nde ngwana pom kolo ya tour na bango pe gozala. Basse pela ndenge biso pe to sepeli. Conseil européen, bon, mes amis. Ah, conseil, non, après ça, on va nouveau marié et Jacaka. On va bien à Kana Libala, Bakaramte Maranyonso. Syndicat, Tchakal. Donc, Maranyonso est là, ok, dans mon thème, moto. Faut s'en assurer, surtout conseil, et pas à Mpesi Libala, où est Zalin Zambé et Moko, à Zali Singani Sato, entre moi si, Nambal. Nyonso bosa na libala na bango décision ba kozo il faut ba tuna kaka et pas ensemble conseil na ngaya ngoa. En tout cas, des bonnes choses pour elle. Comment on a Maria. Marianne, comme elle, c'est moi. C'est moi qui ai marqué, papa. Si on a été bon, on a été en train de se faire. On a été bon. Il y a une petite sœur dans la vie. Petite sœur, on a confirmé. C'est quand même. On a une famille. Des fois, on s'est fait marqué. Donc, on a été en train de se faire. C'est toi, Albert. Encore une penza, je pense que je vais vous dire que je vais vous dire charge. Moi, je vais vous dire que 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 je vais vous dire Ayo Kamobali Makasi, parce que bien ma famille, et ça bien ma casse. Et puis papa Albert, pas besoin de conseils. Papa Albert, il vient de conseiller chaque jour. Il y a tout. Mastananga, il y a un souk qui a commandé pire Mastananga. Il n'y a pas besoin de conseils, il y a privé. Il y a privé, pas besoin de conseils. Parce que bien caca, au bout ma tête. Donc, qui m'est ça? C'est 4-1, l'équipe bordelaise qui essaye de ne pas prendre de but. C'est On est mal, tout ça va être fait.
Ça a été arrêté par l'ancien Nantais et le long de la suite pour Elise qui va très très vite et qui est passé Elise. Et qui a beaucoup bougé. On approche la fin du premier quart d'heure. Et l'équipe ultra Paris est là, c'est qui est très très mineur. Thank you.
Voilà ce que faut quitter la scène. Nous avons, bonjour. Nous avons voulu nous excuser pour ces désagréments, ce retard. Nous ne pensions pas à cela. Mais voilà que nous sommes arrivés à ce temps et c'est suite à ce que nous n'avons pas prévu. Vous connaissez notre ville avec tout ce qu'il emmagasine. Mais nous sommes tous ici pour un événement heureux et nous connaissons. Vous voyez déjà à l'image qui sont là. Et pour commencer, nous abordons l'événement par le chant des cantiques, numéroté 132, avec les thèmes désormais. Nous ne faisons qu'un basé sur Genèse chapitre 2, le verset 23 et 24. Nous demandons à la technique de nous balancer ces cantiques et nous allons chanter avec joie, ensemble avec les mariés. Chaleureuse bienvenue pour écouter ces quelques conseils prévus à l'adresse des nouveaux mariés. Nous voulons parler de frère Albert Simetti qui se mariait à sœur Marianne Bouilly et tout s'était bien passé parce qu'ils se sont mariés à l'état civil, devant l'autorité de l'état civil et tout s'est bien passé. Nous vous l'annonçons. Ces conseils, c'est vrai, c'est pour eux, mais ça peut être utile à nous aussi, on ne sait jamais. Demain, pour les autres qui s'y préparent, peut-être ça sera bien. Mais nous aussi, qui sommes déjà dans les mariages, nous pouvons profiter de cette occasion à écouter ces conseils. Albert et Marianne, nous allons lire quelques versets avec vous. Et nous voulons voir quel a été les sentiments de Jéhovah après chaque création. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait une créature, il avait un sentiment qui l'émettait. Et je vais lire ensemble avec vous. Je vous demande d'apprendre la Bible dans le livre de Genèse, les chapitres 1. Nous allons lire quelques versets de ces chapitres pour voir quels étaient les sentiments de Jéhovah après la création de chaque être. Il était dans la joie. Après la création. Mais lisez avec moi le chapitre 2, le verset 18. Et cherchez à comprendre cette expression. Puis Jéhovah Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui faire une aide qui lui sera assortie. » Vous avez noté l'expression. Jéhovah a commencé à dire, « Il est bon, il est bon, il est bon. » Et ici, il dit, «
il n'est pas bon. Cela veut-il dire que Jéhovah ait créé quelque chose d'imparfait ou quelque chose d'inconvénient? Non, non. Ou il n'a pas pu faire de choses bonnes? Non. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ici, Jéhovah veut tout simplement montrer une chose importante que Adam lui-même va dire. Vous savez qu'Adam a été chargé d'une mission de donner des noms à des créatures. Et lui, il a vu des animaux, des familles d'animaux. Il les voyait mâles, femelles, les petits ensemble, tout ça. Mais bien que vivant dans les paradis, jamais Adam ne s'est intéressé à aucune créature comme une bête, non? Il est resté comme ça. Il n'a rien dit, quelque chose. Et Jéhovah avait vu ce qu'il attendait. Il n'avait pas dit qu'il était imparfait en étant seul, non? Mais il attendait quand même. Je veux des animaux, mâles et femelles. Et moi, je suis seul. Mais il ne pouvait pas poser des questions à Jéhovah. Pourquoi tu m'as laissé seul? Alors que non, il savait que c'était ça, la volonté de Jéhovah, et que c'était bien pour lui. Mais Jéhovah a vu, non, il ne convient pas que l'homme reste seul. Je vais lui faire une créature. Quelle sorte de créature? Nous allons lire ici, et parce que ça montre qu'il y avait un besoin de communication important chez Adam. Il cherchait quelqu'un d'intelligent. Il cherchait quelqu'un avec qui il pouvait communiquer ensemble, pas avec les animaux. Et quand Jéhovah a pu faire ce qu'il cherchait lui dans son cœur, écoutez, il devient un poète. Lisons ensemble les chapitres 2, cette fois, les versets 21 au verset 23. Voilà enfin, quand quelqu'un dit enfin, c'est que la personne était dans l'attente. Vous voyez que Adam souffrait, mais il ne pouvait pas s'opposer à la volonté de Jéhovah qui voulait qu'il soit seul à ce moment-là. Et maintenant, quand c'est arrivé, il dit enfin. Vous voyez un peu? Donc, Adam cherchait une compagnie qui pouvait bien stimuler ses sentiments aussi. Il avait vu la chair des animaux. Mais il n'avait jamais dit que cette chair était la chair qui lui convenait. Mais voilà, avec Ève, dit, c'est ma chair. Alors que Jéhovah ne lui avait pas dit que non. Je t'ai fait endormir, et puis après j'ai sorti le côté de toi. Et non, c'est de lui-même, il a senti cela. Quelle attirance. Vous voyez un peu, c'est Jéhovah qui avait organisé le mariage d'Adam et Ève. Et c'est lui-même qui avait approuvé cela. Alors, Albert et Marianne, vous avez un précédent heureux. Un mariage qui a été approuvé par Jéhovah Dieu. Et Jéhovah avait dit à Adam et Ève, ils devaient rester pour combien de temps? Voyez le verset 24. Le verset 24. Et dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Adam n'avait pas de père, de mère. Il pensait à Albert et à Marianne qui ont deux pères et deux mères. Vous voyez? Mais si Jéhovah pensait à la succession, ce qui viendrait après Adam et Ève, ils devaient avoir deux pères et deux mères. Mais ils devaient s'attacher à leur conjoint. Ayant père, nous n'avons pas vu comment Jéhovah a ajouté l'expression plus agréable quand il a créé Ève. Là, je m'adresse à Albert. Regarde maintenant, on revient au chapitre 1. Le verset 31 maintenant. Quand tu l'as créé, Ève, quel était le sentiment de Jéhovah? Parce qu'après avoir dit, il n'est pas bon, mais avant, il avait dit, il est bon quand il t'a créé. Mais regarde maintenant le chapitre 1, le verset 31. Jéhovah a dit, après cela, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et vit que c'était très bon. Ça, c'est après la création de Ève. Il a ajouté le superlatif « très ». Tout était bon avant, mais avec la création d'Ève, tout était très bon. Est-ce que Albert est d'accord avec cette idée? Que la création d'Ève a tout conclu et que qui représente Ève aujourd'hui
Est-ce que Albert est d'accord que c'est à cause d'elle que la vie va être agréable pour lui? L'habitant de Jéhovah, c'est ça la pensée. Albert, la pensée que nous avons lue au verset 24 du chapitre 2, va parler de s'attacher. Tu vas t'attacher à ton épouse. Donc quand il a dit à Adam de s'attacher à Ève, c'était l'expression hébraïque qui parlait de l'adhésion. Tu vois un peu, il y a une certaine colle qu'on ne peut pas facilement décoller quand les deux éléments sont mis ensemble. C'est une colle très forte qui fait que quand on veut dissocier les deux éléments collés, il n'y a que déchirure, on ne peut pas récupérer les deux éléments. C'est pourquoi il a parlé de un. Comment deux personnes peuvent être un? Donc, c'est ça, Jéhovah voulait dire, que vous ne devez pas vous séparer. Alors, on comprend ici que le mariage n'est pas un caprice, n'est-ce pas, Marianne? Ce n'est pas un caprice. Donc, personne ne peut nous amener à nous séparer. Pourquoi il a utilisé père et mère? Vous voyez un peu l'amour que chacun a envers son père, envers sa mère. Quand nous naissons, on grandit. C'est un amour très fort. Imaginez que quelqu'un d'autre vienne te détacher de cet amour-là. On peut dire que cette personne est plus forte encore. Donc, Albert reconnaît que Marianne est très forte. Parce que c'est elle qui te détache de ton père et ta mère. Également, Marianne reconnaît que Albert est très fort. Aujourd'hui, elle dit, quitte Papa Mboui et Maman. Maman Bassa. Donc, c'est un homme très fort. Est-ce que vous reconnaissez cela? Il faut reconnaître ça. C'est ce que Jéhovah a dit. Vous allez vous coller que personne ne vienne faire l'interférence. Alors, je m'en vais comparer votre mariage à... Vous aimez la musique? Albert, tu aimes la musique? Oui, Marianne aussi. Bon, je vais parler de l'orchestre. Un orchestre, de la musique là que vous aimez, ça vient d'un orchestre. Et un orchestre doit avoir un fondateur. Et quand il y a un fondateur, le fondateur a aussi quelqu'un qui désigne comme chef d'orchestre. Mais il y a des musiciens multiples qui sont là. Voyez un peu, bah, si nous avons des bonnes mélodies qui sortent, il y a cette organisation. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait bon produit à la fin? C'est parce qu'il y a le respect dans cette organisation-là. Il y a aussi la coopération et la bonne collaboration. Les musiciens, quand ils sont ensemble, ils ne se retrouvent pas seulement pour chanter n'importe quoi. C'est pourquoi vous avez des timbres différents. Il y a la musique folklorique. Quand on joue, on comprend que ça, c'est un timbre choisi par les fondateurs de cet orchestre. Mais il y a aussi le jazz. Donc, des gens ont choisi comme ça. Et beaucoup d'autres que vous connaissez. Donc, celui qui décide du timbre, c'est le fondateur. Et celui qui fait l'exécution, c'est le chef d'orchestre. Parce que c'est lui qui fait le suivi pour qu'il y ait sorti de la bonne production. Alors, mais le musicien, il coopère avec le respect envers les chefs d'orchestre. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que vous avez de belles mélodies, de bonnes musiques. Parce que nous avons dit que on compare votre mariage à un orchestre. Donc, le fondateur de l'orchestre, c'est Jéhovah. Et c'est Albert qui est le chef d'orchestre. Parce que nous n'avons pas besoin de plusieurs musiciens dans cet orchestre. On n'a qu'une chanteuse. C'est Marianne, la chanteuse. Alors maintenant, chacun a sa responsabilité. Le fondateur est là, il a tout donné au chef d'orchestre. Chef d'orchestre, Albert. Vous savez, pour que vous puissiez réussir votre union, il faut que le fondateur soit avec vous. Un orchestre que le fondateur a fui, le fondateur n'est plus avec, ne progresse pas. Parce qu'il n'a pas de moyens de production. Il n'a pas de moyens pour s'acheter de nouveaux instruments. Donc, le fondateur est très nécessaire. Donc, vous avez besoin de Jéhovah dans votre vie de couple à tout moment.
Mais comment montrer qu'on est avec Jéhovah? Prenez la Bible. Nous voulons lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Si vous voulez être avec lui, acceptez ce verset. 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 11. Vous laissez redresser. Pourquoi? Vous devez vous laisser redresser en tant qu'imparfait. Nous ne sommes pas parfaits. Vous allez accepter que on vous redresse des conseils multiples. Vous avez les couples donneurs à côté de vous, l'objectif. Ils vont vous donner des conseils répétitifs en tant que des amis. Et il faut les accepter. Mais si ça sera compliqué d'accepter, ça sera aussi compliqué pour que Jéhovah soit avec vous. Il faut accepter de faire demeurer la paix dans le foyer. Et ceci montre que vous ne manquerez pas des difficultés. Je vais vous dire une chose, Albert et Marianne, vous savez, les deux années que vous allez commencer, je ne vous fais pas peur. Nous sommes passés par là. Tous les mariés savent que la première année, la deuxième, c'est des périodes difficiles. Vous ne savez pas pourquoi, bien, vous allez découvrir. Pourquoi? Parce que là, chacun vient avec son imperfection, il met sur la table. Donc, vous étiez à distance, dans les fiançailles, tout était agréable. Marianne s'est préparée vraiment avant que tu n'arrives. Et toi, tu disais toujours que je dois arriver, est-ce que tu es à la maison? Mais cette fois, tu ne diras pas. Tu arrives brusquement à la maison. Et puis, Marianne n'est pas préparée des fois. Ça t'énerve. Est-ce que tu vas dire, c'est toujours comme ça? Non, non, c'est plutôt les imperfections qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-vous consoler. Quand c'est les choses qui te déçoivent, il faut chercher à écouter Jéhovah à ces moments-là. C'est à ces moments-là que vous allez former une bonne équipe. Et c'est Marianne qui va dire, moi je ne le voyais pas comme ça. Oui, tu ne pouvais pas le voir comme ça, tu n'étais pas dans leur maison, il était chez ses parents. C'est maintenant que tu le vois chez lui. Il avait des réserves chez lui, chez les parents, mais maintenant il est chez lui. Alors, est-ce que vous allez abandonner la paix? Non, vous allez plutôt lutter. Quand vous voyez des parents, nous tous, être heureux, vous voyez vos amis à côté de vous, heureux, ils ont lutté, ils sont passés par là. Et ça ne finit pas, parce que nous continuerons toujours à être redressés par eux. Alors, il ne faut pas mettre Jéhovah de côté. Ça, c'est le conseil de membres du couple. Mais quand on parle de la collaboration, il faut que le chef d'orchestre accepte ses responsabilités. Nous commençons par lui, parce qu'il est le chef. On va te conseiller selon la Bible. N'est-ce pas, chef Albert, tu es d'accord, n'est-ce pas? Bon, lisons ensemble avec toi, Éphésiens, chapitre 5. Qu'est-ce que Jéhovah dit du chef d'orchestre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 29. Est-ce qu'on a parlé? Tu dois l'aimer comme toi-même. Et c'est ce que nous avons lu au chapitre 2, le verset 24. Être un. Alors ici, on attend que vous n'allez pas vous dire, non, moi, je n'ai pas grandi avec des sentiments comme ça. Tu dois abandonner ça. Si, je sais que tu ne disais pas ça, mais je dis seulement s'il y en avait en tête, il faut abandonner ça. Parce que maintenant, tu dois aimer ta femme comme toi-même. Parce que quelqu'un qui aime sa femme, si se réfère à sa coutume, tu peux peut-être que tu as déjà entendu, il y a des coutumes qui disent qu'un homme peut discipliner sa femme. Peut la punir. Cette coutume est rejetée par Jéhovah. Jéhovah n'accepte pas ça. Et c'est comme ça que tu avais déjà entendu dans les quartiers des gens dire ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Il n'est pas permis qu'un homme punisse sa femme. Parce que là, il se punit lui-même.
Imagine un peu que quelqu'un se punisse soi-même. Vous voyez, vous êtes dans la rue, vous voyez un monsieur qui avait un téléviseur en tête, il l'a amené à la maison, finalement il fait tomber ça par accident. Et ça s'écrase, et le téléviseur coûtait 1000 et quelques dollars. Il s'est dit, mais finalement, moi, je suis malade, moi. Je suis malade. Je dois alors me faire des incisions, alors, me blesser avec une lame de rasoir, par-ci, par-là. Et des gens posent la question, mais c'est quoi, papa? Non, mais je suis bête. Je me suis amené dans cette bêtise. Je perdis mon téléviseur. Je ne sais pas comment je vais acheter encore l'autre. Et Albert est à côté de cet homme-là. Vous direz que vous avez affaire à qui? N'est-ce pas? Un malade. Comment? Quelqu'un qui avait acheté son téléviseur par accident, ça tombe, il va se faire des plaies comme ça? Voyez? C'est ça la réflexion que veut donner la Bible. À ta femme, même si elle a fait des bêtises, on ne la punit pas. On ne la tape pas non plus. Est-ce que tu as déjà entendu parler des hommes qui tapent leurs femmes? Oui, ils sont nombreux. Mais un chrétien ne doit pas faire ça. Même tordre l'oreille de Marianne, elle écoute, hein, la tordre comme ça. Tu as un problème avec Jéhovah, il ne faut pas faire ça. Et il ne faut pas aussi la punir en chambre. Mais attention que les autres n'entendent pas. Elle aussi. Comment ça va, Marianne? Très bien. Alors qu'elle était giflée. Non, il ne faut pas faire ça. Parce qu'un homme qui se tape, tu vois un monsieur dans la rue avec un gourdin. Il est en train de se taper comme ça. Avec un gourdin. N'est-ce pas, c'est un fou. Tu vas dire, ce monsieur est malade, c'est un fou. Ce sont des fous qui font comme ça. Alors, un homme qui taperait sa femme, il est mentalement, spirituellement fou. Toi, tu n'aimerais pas être fou devant Jéhovah, ton Dieu, le fondateur. Il n'aimerait pas te voir dans cet état. En tant que chef d'orchestre, on voit les chefs d'orchestre, ils font beaucoup de sacrifices. Un chef d'orchestre peut être debout du début du concert jusqu'à la fin. Il est debout, mais le musicien assis. Tu vois un peu? C'est les sacrifices. Il est le dernier à percevoir l'argent. Ce sont des sacrifices. Alors, toi également, tu dois faire des sacrifices pour ton épouse, pour Marianne. Ça demande beaucoup, hein. On ne saura pas tout détailler ici. Tu comprends ce que c'est. Mais une des choses que tu ne feras pas, on lit en Colossiens chapitre 3, verset 19. Ce que nous avons dit, mais regarde ce que Jéhovah dit, ce que tu refuseras. Colossiens chapitre 3, le verset 19. Marie, continuez à aimer vos femmes. Tu vois? Et ne soyez pas dur avec elles. Ah, il ne faut pas être dur envers ta femme. Parce que dans nos coutumes africaines, un homme craint par sa femme, c'est un homme dur. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas sourire devant sa femme. Même si sa femme vient avec une bonne histoire comme ça, pourquoi tu fais rire? Elle va marcher sur ton nez. Il ne faut pas essayer. La femme, quand elle te raconte une histoire, il faut seulement dire oui, j'ai écouté. Et c'est ce que tu voudras faire, mon frère. Il ne faut pas faire ça. Si elle vient avec une bonne histoire, réjouis-toi avec elle. Il ne faut pas être trop dur. Mais il ne faut pas entrer non plus dans sa gestion. Il y a certaines choses qu'un homme ne peut pas aller. Hein? Le comptage de certaines choses. Comptage des matungulu. Et c'est ton histoire. Non, mais ça... Tu vas vraiment la faire souffrir. Mon mari compte les matungulu. Mais ça, c'est étonnant. Donc, tu n'iras pas dans ces cadres-là. Il faut gérer certaines choses. Tu laisses ça, c'est pour elle. Et là, tu lui donnes la grandeur. Il y a beaucoup de choses, hein, frère Albert. Des choses que tu feras à ton épouse. Nous aimons que tu sois en paix avec elle. Elle a entendu, elle est contente. Que tu fasses ça. Et c'est ce que Jéhovah veut. Mais la chanteuse, tu sais, on a entendu le chef d'orchestre, il fait des sacrifices. Hein? Maintenant, parlons avec toi. Qu'est-ce que Jéhovah attend de toi? On lit ensemble le verset 33 d'Éphésiens. Là où nous étions. Éphésiens,
chapitre 5, le verset 33. De son côté, la femme doit avoir un profond respect pour son mari. Voilà ce qu'on a demandé. Profond respect, qu'est-ce que cela signifie? Une épouse capable. Voilà. Et là, du profond respect. Tu as déjà lu le livre de Proverbes 31? Tu n'as jamais lu, hein? Moi, je pense, il faut que je te rappelle quelques versets là, pour voir un peu certaines choses par rapport à ce que tu peux faire. On va revenir à Éphésiens après. Mais Proverbes chapitre 31, ça va t'aider à voir ce qu'une épouse capable. Regarde. Et moi, je vais poser d'abord la question à frère Albert qui répond à cette question. On a posé la question au verset 10. Hein. Qui peut trouver une femme capable? Elle a bien plus de valeur que les coraux. Mais attends, cette question, as-tu trouvé la femme capable? Oui. Ah, voilà. Ok, nous sommes très contents que Albert ait trouvé une femme capable. Écoute, ton mari, tu es capable. Mais tu sais, qu'est-ce que toi tu vas lui rendre? Oui, te reconnaît capable. Regarde ce que l'épouse capable fait. Le verset 12, hein, on lit avec toi. Le verset 11 d'abord. Son mari a une confiance absolue en elle. Et il a tout ce qu'il lui faut. C'est ça. C'est lui qui a déclaré que tu es capable. Il a confiance en toi. Mais pour avoir la confiance, il faut que tu puisses cultiver certaines qualités. Regarde le verset 12. Elle le récompense par les biens. Elle ne lui fait pas de mal tous les jours de sa vie. Ton mari dit, tu es capable. Tu veux le récompenser par le mal? Ah, ce n'est pas ce que tu vas faire, n'est-ce pas? J'espère que c'est ça. Parce que si Jéhovah veut que tu le récompenses par les biens, parce que lui, il a prévu le bien pour toi. Et comment faire le bien pour son mari? Regarde le verset 23. Son mari est bien connu aux portes de la ville, où il s'assit parmi les anciens du pays. Ton mari est jeune, hein? Mais tu vas l'amener à s'asseoir avec Frère Bonheur. Tu vois un peu? Mais pour qu'il passe là, ce n'est pas tout simplement qu'il grandisse. Mais il doit avoir des éléments qui se font dans sa maison, qui vont faire qu'il soit vraiment l'ami des grands. Et mais c'est toi qui vas favoriser cela. Comment? En ayant une belle conduite. Ce n'est pas une femme qui fait... C'est qui? La femme de Albert. Ah, cette fille! C'est vraiment notre enfant-là un malheur d'avoir. Des gens pleurent dans le compte d'Albert parce qu'il a eu Marianne. Ah non, mais là, ce n'est pas bien. Mais ça serait une bonne chose. Comment tu passes? C'est qui? Ça, c'est la femme d'Albert, la fille de Frère Mbouille. Ah non, cette fille, non. Albert, cet enfant, a bien fait le choix. Tu le mets maintenant dans quel niveau? Tu le fais élever. Et tu sais même, pour qu'il puisse avoir des responsabilités dans l'organisation. C'est toi. Parce qu'on va toujours poser, les frères est bien. Et sa femme? Oh non. Sa femme, frère, laisse ce mot. Et les frères ne passent pas. Tu vois? C'est comme ça qu'on veut dire, les anciens vont l'agréer parce que tu as la bonne conduite. Tu vois la grande responsabilité que tu as envers ton mari. Il y a beaucoup de versets que tu vas lire dans ces chapitres. Ça va te donner beaucoup de conseils. Une chose que tu vas éviter, de critiquer ton mari, même s'il a des fautes. C'est à deux. Il faut le conseiller et ne pas le critiquer. Il ne faut pas aller parler de vos divergences chez vous à la maison. Ah! Moi, quand je lui dis comme ça, lui me dit comme ça. Moi, quand... Mais tu racontes à qui? On a dit, vous êtes un. Tu es détaché de ton père, de ta mère. Tu veux dire à qui? Non. Réglez votre situation. Sœur, tu connais un conte, un peu ça qu'on appelle ONSJ. Tu as déjà entendu parler de ça? ONSJ. Oh, c'est un conte qui circule beaucoup, hein, et dans les foyers. Toi, tu n'en as pas. Il ne faut pas avoir ces contes-là. Ce conte-là signifie ceci. On ne sait jamais
O-N-S-J. On ne sait jamais les comptes là. Donc tu es avec ton mari, mais il y a toujours l'argent qu'on te donne pour la maison. Toi, tu jettes dans ces comptes là parce qu'on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu ne sais jamais? Se séparer? Ah mais qu'est-ce que Jéhovah avait dit? C'est pour l'éternité, c'est permanent. Mais pourquoi avoir un compte, hein? On ne sait jamais. Ah, il ne faut pas copier, hein, parce que ça circule dans d'autres foyers. Mais un serviteur de Jéhovah, dans le foyer d'une chrétienne, on ne trouve pas ses comptes. Et il se pourrait que ses comptes n'existent pas. Mais que certaines choses, vous êtes dans votre foyer, mais la grande marmite reste chez maman. Et c'est indiqué. Non, mais il ne faut pas faire ça. La marmite, ça doit se trouver chez toi. Si maman a besoin, elle vient prendre la marmite chez Marianne. Tu ne peux pas dire, non, moi j'ai laissé certaines histoires chez nous. Vous n'avez plus chez vous. Vous avez chez toi maintenant. N'est-ce pas, tu as compris, hein? Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler de la chanteuse. Mais il y a, si on revient dans la musique, tu sais l'histoire qui peut gâcher la musique, un orchestre. La chanteuse peut avoir une belle voix. Mais quand elle ne respecte pas le rythme que veut donner le chef d'orchestre, ça ne marche pas. Tu as déjà vu le jeu du chef d'orchestre? Il a un bâton, hein? Il fait comme ça. Quand il fait comme ça, tu vas entendre le drummer chante. Quand il fait comme ça, celui qui est derrière chante. Quand il change comme ça, même le chanteur change la façon de chanter. Mais est-ce que tu vas regarder ton mari pour des choses qui se passent dans votre foyer? Ou toi, tu prends déjà des... Bon, je te fais les rapports. Tel était venu, je lui ai fait ça, je lui ai fait ça, j'ai conclu. Ils sont partis. Mais est-ce Marianne ou c'est Albert? Oh, moi, c'est Marianne. Mais j'agis comme Albert. Oh, ça n'existe pas. C'est ce qu'il faut éviter. Il ne faut pas éviter. Même si tu connais quelque chose, il faut toujours se référer à ton mari. Il ne faut pas te référer à l'oncle, ni à quelqu'un d'autre. Chez nous, souvent, nous posons des questions à notre oncle. Non, non. Commence par ton mari. C'est lui qui est maintenant avec toi en seul. Tu n'es pas ensemble avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça que tu vas voir que Jéhovah sera avec vous. Nous avons parlé de beaucoup de choses sur l'amour. Voyez comment vous êtes habillés. C'est très beau, hein? Puisque nous tous ici, vous brillez. Et ce sont les habits. Et la Bible parle de l'amour comme un habit. Dans ce sens-là. Un habit nous rend encore plus beau. Un habit cache nos imperfections. Par exemple, moi, une blessure au dos, mais parce que j'ai porté ma veste, tu ne verras pas. Je parais toujours. Mais il y a une plaie. Ah, tu vois, c'est comme ça l'habit. La même chose, l'amour peut couvrir vos imperfections. Si vous vous aimez, personne ne saura que vous avez des problèmes. On va dire, mais ce couple est comment? Oui, vous avez vos problèmes. Mais parce qu'il y a l'amour, vous savez, les plonger dans l'amour, et ça s'évanouit, ces choses-là. C'est ce que vous allez lutter à faire, c'est ce que nous espérons, Jéhovah va vous aider pour que vous continuez à être heureux. Alors nous revenons pour que Jéhovah soit avec vous, condition, continuez à vous réjouir, continuez à vous laisser redresser, continuez à vous consoler, continuez à faire demeurer la paix chez vous, ainsi le Dieu de paix va être avec vous. Nous sommes à la fin de notre discours. Nous voulons faire les échanges de vœux. Alors, je pense que vous allez vous mettre debout. Vous voyez ou bien il faut le faire assis. Il est bon de se mettre debout, hein? Là, ça. Marianne, oui, mon amour. Je t'ai pris pour femme, et fais les vœux de t'aimer, de te chérir, conformément à la loi divine, rapportée dans les saintes écritures à l'intention de Marie chrétienne. Aussi longtemps que nous vivons ensemble sur la terre, dans le cadre du mariage, tel qu'il a été constitué par Dieu.
Voilà, nous avons écouté Ferabel, maintenant. Merci. Je t'ai pris pour mari et fais le vœu de t'aimer, de te chérir, de te manifester un profond respect, conformément à la loi divine rapportée dans le Saintes Écritures, à l'intention de ces femmes chrétiennes, aussi longtemps que nous vivrons ensemble sur la terre dans le cadre du mariage qu'il a été institué par Dieu. Félicitations. Alors, vous avez des anneaux? Marianne et Albert ont déclaré devant Jéhovah Dieu et ses témoins de se prendre mutuellement pour conjoint en tant que ministre ordonné pour l'autorité qui m'a été conférée par les Saintes Écritures et la loi du pays. Je le déclare uni par le lien du mariage. Ce que Dieu a mis sous le même joug que l'homme ne le sépare pas. Souverain Seigneur Jéhovah, notre Dieu, merci de nous avoir donné cette occasion. C'est toi qui as prévu cette disposition heureuse pour tes fils terrestres. Nous sommes contents pour cela. Nous sommes heureux pour nos enfants qui se sont décidés de te plaire en respectant cette disposition. Béni Albert et son épouse sont jeunes. Et l'ennemi qui ne veut pas de foyer heureux et cherchera toujours à combattre comme il l'a fait à des anciens couples. Mais nous réussissons qu'ils puissent abonder dans le même sens. Nous te demandons pour les activités d'aujourd'hui, c'est-à-dire le restant des autres choses liées à la fête, que ça se passe pour ceux qui sont ici. Ils vont saluer les couples. Je suis le premier à les saluer. Félicitations. J'ai laissé les compagnies. Félicitations à la cathédrale. Alors on peut passer pour les saluer.